Salut tout le monde, on va aujourd'hui calculer l'aire d'un triangle. Et je t'entends dire tout de suite, ben voyons monsieur, calculer l'aire d'un triangle, c'est facile, c'est base sur hauteur divisé par rue. En effet, donc c'est écrit juste ici, ça prend une base, ça prend une hauteur et on le divise par deux. Mais par contre, vous êtes rendu des grandes personnes en huitième année, des fois je ne te donne pas toute l'information. Voyez-vous le beau triangle qui est ici? Les petites barres, on se rappelle, ça veut dire que tous les côtés mesurent la même grandeur. Ils mesurent 12 aujourd'hui, donc on a affaire à un triangle équilatéral. Ce qui est le fun, c'est que oui, j'ai une base solide et j'ai pas ma hauteur. On se rappelle, la hauteur, c'est la distance entre la base, perpendiculairement jusqu'au sommet. Donc, dans ce cas-ci, ma hauteur, elle est ici et elle n'est pas donnée. Mais ce qui est génial dans ce que je viens de dire, c'est le mot perpendiculaire, qui veut dire un angle de 90 degrés. Donc, oui, j'ai mon équation, l'aire du triangle, base sur hauteur, qui est divisée par 2. Ici, je décompose ma figure pour trouver ma hauteur. Je me ramasse avec ce triangle-là. Ce qui est le fun, j'ai ça, j'ai la moitié du segment qui est en bas là, parce que j'ai coupé ma figure en deux dans ce cas-ci, il me manque un côté qui est ma hauteur. C'est génial! C'est un triangle rectangle, j'ai mon hypoténuse, j'ai une cathète, il me manque une autre cathète. On se rappelle, Pythagore, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux cathètes au carré. Si j'ai mis un petit 1, petit 2 pour les petits côtés, je remplace mes valeurs. Donc, mon hypoténuse est égale à 12, première cathète égale à 6, l'autre cathète, je ne la connais pas. Donc, 12 au carré, 144, 6 au carré, 36, et je cherche l'autre. 144 moins 36 qui me donne 108, j'ai mon petit côté au carré. 108 est égal à petit côté au carré, moi je n'ai pas petit côté au carré, je veux seulement le petit côté, je fais la racine carrée, donc mon petit côté est égal à 10 et 39 centièmes d'unité. Ça représente la hauteur. La hauteur que j'avais ici. Je n'ai pas terminé. Je vais savoir quelle était l'aire, la superficie de ce triangle-là. L'aire d'un triangle, base hauteur, divisé par 2. Donc 12 fois 10 et 39 centièmes. Donc ma hauteur, 12 était ma base, divisé par 2, qui me donne 62 et 35 centièmes unité carrée.